Les blobfish jumeaux, période 4. Ils sont des jumeaux. Un est un garçon, le frère, et un autre est une fille, la sœur. Ils ont des capacités extraordinaires. Ils peuvent voler. Les poissons globes normaux ne peuvent pas voler. Ils peuvent tirer des lasers. Les poissons globes normaux ne peuvent pas tirer des lasers. Ils peuvent s'étirer. Les poissons globes normaux ne peuvent pas s'étirer. Ils sont grands et roses. Ils ont les yeux noirs. Ils n'ont pas de cheveux. Ils sont chauves. Le poisson 1 s'appelle Sagi. C'est un garçon. Il est gentil, comique, mignon, très intelligent et riche. Le poisson 2 s'appelle Saguette. C'est une fille. Elle est gentille, comique, mignonne, très intelligente et riche. Ils ont 100 ans. Ils travaillent comme des clowns. C'est leur identité secrète. Ils sont du triangle de Bermude. Un jour, ils sont à la teuf avec leur ami et quelque chose de bizarre arrive. Ils sont effrayés. Leur ami s'appelle Sébastien. Il est un crabe rouge et petit. Il est talenté, doué, avec la musique. D'abord, il voit Sébastien avec un ami qui s'appelle Squidward. Il joue de la musique. Les Blobfish demandent: Mais qu'est-ce que vous faites là? Ensuite, il y a un problème avec la musique. C'est terrible. La musique attire un ours de mer. Les blobfish ont besoin d'utiliser leur pouvoir super. Ils tirent les lasers à l'ours de mer pour protéger la fête. Enfin, ils prennent Squidward et volent avec lui au triangle de Bermude où il est perdu pour toujours. Ils sont en paix et ils reviennent à la teuf pour s'amuser avec leurs amis.